Alors bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Cities Skylines. Donc regardez, on a quand même beaucoup beaucoup de monde hein, dans notre pour notre dirigeable. Donc comme j'avais fait pour résumer vite fait le dernier épisode, donc j'avais mis beaucoup plus de comment on appelle ça. J'avais mis oula, on augmente bien. J'avais mis beaucoup plus pardon de dirigeables, donc on va normalement les voir partir d'ici. Voilà, on les voit tous partir à fond. Ok, maintenant on devait régler un autre problème ici. Donc ça créait vraiment d'énormes bouchons parce que ben, tous ceux qui voulaient aller là-bas passaient par ici. Du coup, comme on avait à la base fait tout ça juste pour notre zone industrielle, ça ne va pas. Alors, pour ça, on va faire une autoroute souterraine. Alors, on prend ça, voilà. Et c'est parti. Alors, ce serait bien peut-être d'arriver pour quelque part, disons ici, ou non, je sais pas encore. Alors. Alors, bien sûr, maintenant, ça va être le plus compliqué sera de faire tourner le tout. Enfin, de que tout soit de la même taille, pardon. Alors, on va d'abord prendre ça, juste au moins pour le faire descendre. Que ce soit joli. Hein. Gris peut-être. Non. On va faire comme ça parce que sinon je vais mettre des heures. Et comme de toute façon ce sera moche. Alors on va essayer de faire d'une traite le tout. Hein. J'espère que ce sera bien. Voilà. Et vous voyez, là, il y a un gros souci. Qui est en fait par rapport à la courbe que j'ai ici. Alors, j'aimerais quand même savoir à combien on est entre là et là. C'est plus ou moins bon. Ok, alors maintenant, je vous avoue que si là c'est bon. Alors là, rien. Hop, on va tourner le tout.
Ok, donc là on est toujours sur notre autoroute. Et ce qu'on va faire, alors pour le moment, ça sera. Genre, on va tout continuer tout droit. Et là, on va mettre un rond-point. Un beau petit rond-point. Voilà. Voilà, et ça. Comme ça, on enlève les feux ici. Pas besoin de feux là. Ah oui, alors là, on va devoir faire une sortie du coup. Une sortie qu'on va faire en double comme ça, je crois. C'est moche. On va tester comme ça. Ok, on teste. Hop, 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 hop. Allez. Je suis sûr que tous nos problèmes vont rapidement être réglés. Enfin non, je crois qu'on aura beaucoup de problèmes là-bas en fait. Déjà qu'il y a... Il y en a plein ici. Ah ouais, mais on est en fait, c'est une voie simple ici. C'est pour ça. Il faudrait que je l'améliore en double en fait. Le problème, c'est que comme tout est fait par rapport au simple, on va tester, mais ce sera très moche. Je veux bien un petit tram ici après. C'est pas vous, mais moi oui. Évidemment, ça ne va pas aller. Je fais ça 5 secondes, ne vous inquiétez pas. Là, hop, et on redéplace ça. Et du coup, évidemment, on ne peut pas. On va le mettre là. Alors, on va déplacer. Et voilà, l'arrêt. On le déplace là. Voilà. Déjà ici, c'est déjà pas mal. Donc toute cette zone-là, on la retransforme à fond. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Plusieurs problèmes. Assurez-vous qu'il y a assez de zones industrielles. D'accord. Et une personne décédée attend d'être transportée. Ouais, ça, je me doutais. Ah ok, c'est la file là. D'accord. Alors, est-ce que ici ça va déjà mieux?
Ouais, mais il y a des feux, c'est pour ça. Là, il n'y a pas de feu, mais ici, il y a des feux. Alors, si j'améliore ça en double voie, comment est-ce que ça donne? Bon, ça va déjà mieux, hein. C'est vrai qu'ici, on a des petits soucis, mais... Ce qu'on va faire, on va les forcer ici à aller à droite. Voilà, c'est déjà cool ça. Là-bas, comment ça se passe? Ben, c'est bien ici. Ici aussi, c'est parfait. Alors, je crois qu'on aura un peu trop, hein. Mais c'est pas grave. Alors, zone industrielle ici, on a une demande. On va refaire une. On va continuer notre zone, hein. Alors, on avait fait un truc comme ça. Ben, on va continuer là. Voilà. Et une nouvelle zone industrielle qui arrive. Une. Je crois que je vais peut-être, une fois voir ici la zone, mais j'améliorerai bien vers une nouvelle, un nouvel arrêt. Sur un arrêt qui serait ici quelque part. On a des zones commerciales là, oui. Donc c'est-à-dire qu'on peut. En théorie, en tout cas, on peut. Enfin, dans la pratique aussi, hein. Et je vais vous le prouver dans quelques secondes. Alors. Voilà, alors là pour le moment ça fait ça. Maintenant on prend ça, on fait passer par là et là, zou. Et voilà, et maintenant on va faire glisser vers un nouvel arrêt. Voilà. Alors, on n'a plus assez d'électricité, c'est ça. Oui. Est-ce qu'on a un autre type de centrale? Non. Eh ben, on va mettre. On va remettre une tour solaire. Hein. Écoutez. Elle était très bien au début. Vois pas pourquoi ça ne serait pas bien maintenant. Ok, donc là on a quand même un problème de son, ça on devrait une fois checker. Tout ça c'est fait. Alors on y est presque, hein, regardez ici, ça augmente, hein. Ça augmente, ça augmente. 46 000. En plus on aura la centrale thermique des mers, ça serait cool. Taux de production 50 000, d'accord. Là aussi, d'accord. Alors, on va une fois voir ici nos transports en commun, comment ça se passe. Ouais, il n'y a rien de spécial ici. Alors, 190, ouais, donc ça va se remplir au fur et à mesure, mais voilà, regardez ici, 900. Waouh. Waouh. Alors, j'ai vu rêve où il y a des Zoïsians qui ont des problèmes. Alors, on va mettre, mais on a maintenant notre station d'épuration écologique. On va
pour le moment faire ça. Hein. Alors pour prendre l'eau, ça on n'a pas besoin de d'un truc spécial. On va juste la prendre là-bas. Voilà. Alors ce que j'aimerais bien un jour faire, ce serait un canal en fait. Donc je sais plus où ça se trouve, ça doit se trouver là-dedans. Vous voyez ici un canal superficiel, moi je trouverais ça superbe. Problème, c'est que je suis sûr à 80-90% de me foirer en fait. Donc je crois que ce sera vraiment un travail à faire par la suite, hein, un peu tester des petites zones et puis par la suite réussir. Mais voilà, ce serait en fait, il faudrait essayer de faire une sorte de petit quartier sympathique. Je sais pas encore. J'ai pas encore vraiment réfléchi à comment. Mais voilà, j'aimerais bien. Alors, on va mettre ici que... On peut tourner vers les deux à partir des deux zones. Ici. On va dire ici. Hop, hop. Que celui-là, eh ben, il peut aller là, là, là. Celui-là peut aller là, là, là. Et celui-là, c'est pour aller à gauche. Même chose ici, hein. On va dire que ces deux voilà. C'est pour ici, quoi. Oh, c'est abusé, regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment dommage, je trouve. C'est vraiment... Ouais, je sais pas encore. Je sais pas, ça déconne ici, mais dedans. Pour évidemment rien. Hein. Parce que... Lui, on va le faire aller là. Lui. Ici. Et lui, ici. Ouais, il se met d'office là, donc c'est pour ça que ça crée des gros bouchons. Beaucoup de passagers, ouais, 35. Je suis content, je suis content, je suis content. Oh là non, mon école. Non, non, non. Et là. Oula, attendez, ici on a nouveau. Alors, on va. C'est ça en fait le jeu, hein. C'est. Débouchonne ton jeu. .exe, quoi. Alors, ici, on a ça. Donc, ceux qui sont ici. C'est pour aller là-bas. Ok. Et ceux qui sont ici, c'est pour sortir. Je crois que je vais commencer très très bientôt à faire ici notre autoroute. C'est ici aussi qu'on a un énorme souci, je sais pas pourquoi. En fait, donc, ceux qui sont ici, ceux qui passent là, ils veulent principalement bah, passer par là, donc... Je vois vraiment pas le souci qu'il y a. Ah oui, mais il y a ici. Oh, on est à 48 000 et on a une, un centre de frais. Ça, c'est vraiment pas mal. Centrale nucléaire et centrale d'énergie thermique des mers. Donc ça, on l'utilisera pour la prochaine fois où on aura besoin de... Où on aura besoin d'un d'énergie. Alors, on va dire que ici... Là, il peut aller là, là, là. Ici, il peut aller là, là, là. Et lui, ah oui, il pourrait tourner là à gauche. Pas obligatoirement. Voilà, et alors, ici.
Mais c'est un par un, c'est dingue. Ah, ça commence peut-être à changer. Ah ouais, le type. Ah, ok, on est comme ça. Ouais. Je crois que je vais transformer cette route ici. Au moins en double. Et je crois qu'il va falloir. Pour que ça aille mieux. Alors, ici, c'est une école. Ouais. Ok, on déplace ça, on déplace ça. Voilà. Et on remet ici un peu de. Tout notre truc. Hein. Du coup, je suppose que je dois refaire les trucs là. Parce que ça déconne plus ou moins. Déjà ici. Donc ici, c'est vraiment un gros problème que je ne sais pas encore comment résoudre, mais j'ai bien dit pas encore. Déchets s'accumulent, où ça? Quand on a de nouveau des problèmes de déchets? Sérieux? Bon, ben. Voilà. Bienvenue à Rue des déchets. On va l'appeler comme ça. Rue des déchets. Voilà. Bienvenue à Rue des déchets. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous savez quoi? Ça m'énerve ici vraiment. On va passer à une autre méthode. Je sais pas si vous voyez quelle méthode je parle, mais je crois qu'elle sera au moins très radicale. Bon, attendez, on va faire un truc genre comme ça pour déplacer tous les bâtiments momentanément. Voilà. Ok. Alors, on va faire maintenant, du coup, notre petite autoroute. N13. Alors, la question sera, on va... Ce sera ici, on va, oui. Pour le moment, ça sera quelque chose comme ça. On va pas se compliquer la vie. Donc, de toute façon, un jour, on va remplir ici. De toute façon. Donc voilà. Alors, par contre, on va transformer du coup cette route-ci. En route principale, je sais, il sera pas content, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Oui, on peut. Alors, on va au moins mettre les routes ici. Voilà, et ce serait bien peut-être un... Ah, peut-être que ici en fait c'est bien pour le moment.
Alors, hop. Ouais. Il y a mieux, mais voilà. Hop, et on va faire la même chose là. Alors, je sais, c'est de nouveau très moche. Je vais le répéter, je crois, à chaque fois que je vais faire les autoroutes, mais je suis vraiment désolé. Je n'ai aucun goût pour ça. Ou aucun talent, je ne sais pas quel mot il faut utiliser. Bon, bah, écoutez, on teste ça. Ah oui, attendez, attendez. Il y a encore tout ça à transformer, à bouger. Et ça, c'est bien parce qu'on va pouvoir tous les mettre ici. Là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? L'électricité. Il n'y a plus d'électricité qui passe. D'accord. Alors, on va le faire passer ben, ici. Hein. Ici, on va enlever une bonne partie. Au pire, on va mettre peut-être des bureaux, mais on verra bien parce que, ouais, déjà, on va enlever tous les feux rouges là parce que sinon, ça va créer un bazar pas possible. Et de toute façon, je crois qu'on devra avoir. Attendez, est-ce qu'on n'a pas de problème? On va peut-être passer en mode trois fois. Alors, on va déjà enlever les feux rouges. Ici, je sais pas, il y en a plein, d'accord. Là, 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 là. En fait, à chaque intersection. Alors, est-ce que ça va déjà mieux? Ça va mieux, mais voilà. On va d'abord ici, je vois qu'il y a un petit souci. Voilà, problème réglé. Ok, alors, oh, c'est quoi ça ici? Une zone pas utilisée. Zone utilisée. Une zone ancienne. Une nouvelle zone. Alors, voyons voir maintenant. Ah! On est nouveau ici avec notre gros problème. Oh, à cause de tout ça là-bas. What? Mais c'est abusé. C'est abusément abusé. Ils veulent tous aller là. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas un truc pour les parkings? Une gare routière. Ouais. Attendez, attendez. Est-ce qu'on pourrait pas mettre que... Non, on va pas mettre ça. Qu'il y ait seulement des voitures électriques. Je sais pas. Bon, on devrait y réfléchir parce que ça crée un gros embarras ici.
Ça crée à partir d'ici, quoi. Donc, c'est très très embêtant. Il faudra un peu voir comment est-ce qu'on va faire pour fluidifier tout ça. Il va falloir, je crois, peut-être. J'espère que je pourrai continuer la route ici et la faire venir en fait sur le rond-point. On va faire ça maintenant avant que j'oublie. L'épisode va durer quelques minutes de plus, hein. Voilà, alors, juste ici. Alors, qu'est-ce qu'ils en pensent ici? Ouais, je crois que niveau monde ici, ça marche plutôt pas mal, hein. 137, là 600, ouais, donc même le métro aussi. Les métros aussi, je vais en mettre quand même. Je vais mettre des métros. Et puis ici, on va retirer tout ça. Mais ce sera pour le prochain épisode. Ben voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Je suis content. Ça avance encore toujours bien. C'est sympa. On évolue petit à petit. Les autoroutes ici, hein, qui commencent vraiment à être pas mal. On doit quand même régler notre solution là. Mais je vais tout faire pour. On va mettre des métros. On va mettre d'autres systèmes pour y accéder. Et ça va déjà, je crois, réduire fortement la chose. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!